Salut à toi, bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui, on parle de la notion de conjuguer d'un nombre complexe. Tout naturellement, on va commencer par une définition, bien sûr. Si vous prenez un nombre complexe z de la forme algébrique a plus ib, avec a et b réels, eh bien, le nombre conjugué, ce qu'on va écrire z avec une barre au-dessus, c'est le nombre tout simplement a moins ib. Quels exemples? Pour illustrer mon propos, si vous partez sur un nombre z égal à 2 plus 3i, z barre, ce sera 2 moins 3i. Le conjugué de moins 1 moins 5i, c'est moins 1 plus 5i. Si vous partez sur un nombre réel, 4, 4 c'est 4 plus 0i, donc le conjugué, 4 moins 0i, donc 4. Et si vous partez sur un imaginaire pur, par exemple 2i, 0 plus 2i, le conjugué c'est 0 moins 2i. Donc pour résumer, la partie réelle de z bar, c'est la même que la partie réelle de z. Et la partie imaginaire de z bar, c'est l'opposé de la partie imaginaire de z. On peut aussi dire que le conjugué d'un réel, c'est lui-même, et que le conjugué d'un imaginaire pur, c'est son opposé. Pour faire suite à ça, des propriétés. Quand vous prenez z et que vous le multipliez par z bar, c'est égal à a carré plus b carré. Donc un nombre réel, positif. Le conjugué du conjugué d'un nombre, c'est ce nombre lui-même. Deuxième propriété. La troisième et la quatrième font référence aux parties réelles et imaginaires. La partie réelle d'un nombre z, c'est z plus z bar, le tout sur 2. Et la partie imaginaire, c'est z moins z bar divisé par 2i. Ces quatre premières propriétés sont plutôt simples à démontrer, j'en reparle juste après. Le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Donc en gros, on peut séparer cette barre. Encore une fois, c'est très algébrique comme démonstration. Il suffit de poser les choses a plus ib et a prime plus ib prime. Le conjugué d'un quotient, c'est le quotient des conjugués avec évidemment z prime non nul. Et le conjugué de l'inverse, de la même manière, bah le conjugué de 1, c'est lui-même, c'est 1 vu qu'il est réel, sur z bar. Et pour finir, important, z puissance n, le tout bar, le conjugué de z puissance n, c'est z bar, le tout à la puissance n. On a le droit de faire sortir la puissance n, n étant un entier naturel. Ça se prouve par récurrence. Et donc, si vous cherchez les démonstrations de ces propriétés, je vous renvoie tout de suite à la vidéo qui fait référence, là voilà. Quand on pense conjugué, on pense également principalement à son intérêt dans la mise sous forme algébrique d'un quotient. Et pareil, je vous renvoie à la vidéo format court, par exemple, qui y fait référence. D'ici là, à bientôt.